Qui nous rejoignent. Je suis toujours Stéphane Baranski, rédacteur en chef du magazine Aérospatium, et la Tribune a la gentillesse de me choisir pour animer cette table ronde prestigieuse. Euh, donc, le paysage spatial évolue à grande vitesse. La Chine a une station orbitale. Les Indiens vont lancer des astronautes. Les grandes puissances spatiales ont le regard braqué vers la Lune et vers Mars, et ont des programmes pour y arriver. Dans le même temps, les, les, les acteurs privés ont passé la surmultiplier euh, sans qu'on y fasse vraiment très attention. SpaceX contrôle aujourd'hui la moitié des satellites sur orbite basse, c'est quand même assez impressionnant, et euh, assure aussi une part importante du trafic logistique de la NASA et du Pentagone sur orbite. La crise du Covid et les évolutions géopolitiques ont montré l'importance du maintien d'une infrastructure spatiale forte. Innovante, opérationnelle pour les télécoms, l'observation de la Terre et la navigation. Euh, Aujourd'hui, l'Europe est partenaire de la quasi-totalité des acteurs spatiaux du monde, euh, à part peut-être la Corée du Nord. Euh, mais est-ce qu'elle peut protéger ses propres intérêts Est-ce qu'elle en a les moyens Est-ce qu'elle en a la volonté politique euh, Peut-elle assurer sa, sa souveraineté dans l'espace Pour en débattre, nous avons un magnifique panel donc avec Joseph H. Barreur, directeur général de l'Agence spatiale européenne Philippe Baptiste, le nouveau président du Centre national d'études spatiales Hervé Deray, directeur général adjoint d'espace chez Thales, donc en fait le patron de Thales Alenia Space Jean-Marc Nassr, directeur Space System chez Airbus Defense and Space donc le patron Airbus satellite et André Berroussel, président exécutif d'Ariane Group. Alors pour commencer, faire un petit tour de table, euh, table sur les points forts et les points faibles de la souveraineté européenne dans l'espace. Que manque-t-il réellement à la France et à l'Europe pour sa souveraineté euh, et pour relever ces enjeux Alors je vais commencer... Euh, commence by his with Joseph agencies. So what is missing today? Um, actually, let's start with the strength. Uh, Europe, in my opinion, has a lot of strength and a lot of assets uh, on which we can build uh, We have uh, We are leading the world's best Earth observation program through Copernicus, the Earth explorers, uh, the meteorological missions. There we are, top of the world and really having some of the best programs. Navigation, the same. The Galileo satellites have the highest precision of the navigation signal. Again, top quality what we have. Science missions, uh, space science. Again, some of our missions are, or our missions are, among the best ones in the world. And I think this is the, the good starting point we have that we have the, ex the excellence, the expertise, certainly in some domains. What are our weaknesses? And our weaknesses are in some of the domains where. The competition from outside has increased drastically over the last decade. Take launchers. Launchers, we used to dominate also the launcher market, at least from a commercial perspective. Today, not anymore. And that's something where Europe needs to seriously work on. And I'm having here our colleagues uh, from the launcher side. I think that's something where we need to focus on how to, again, have a very strong position uh, of, uh, in the launcher sector. Of course, we have excellent quality but the commercial part or the competitiveness certainly is, is something to, to look at. the same is in satellite communications. Uh, uh, we used to dominate and we still are dominating the geo market. Uh, but on the low earth orbit, europe uh, it needs to develop its capacity. so yes, we we have, i would say, sunshine and shadow. we have some strength and some weaknesses. and i think what we have to do, in my opinion, is to make sure that uh, the sunshine is more than the, the shades or that we are gaining more strength in uh, in, in domains, and we're certainly not losing out in the ones where we have leadership today. and this for me is a challenge, uh, and this is by no means granted. we have to work very intensely on it to ensure that this happens. merci. monsieur baptiste. merci beaucoup. Euh, tout d'abord, on a une force qui est extraordinaire. c'est qu'on est, qu est présent sur toute la chaîne. des lanceurs? jusqu'aux applications, en passant évidemment par les satellites, que ce soit des satellites de télécom ou des satellites d'observation ou des satellites scientifiques. Et ça, c'est l'ensemble de cette chaîne, c'est l'ensemble des 50 000 Européens, presque 25 000 en France, euh, qui travaillent sur ces secteurs-là, qui font aujourd'hui la souveraineté de l'Europe, la souveraineté française aussi. Cette, cet accès est indispensable. Ne pas avoir l'accès au spatial, ça veut dire qu'on n'aurait pas toute la chaîne. Et donc derrière, c'est aussi perdre indirectement l'ensemble des autres secteurs. Donc la question de l'accès à l'espace est absolument fondamentale et on y est particulièrement attaché en France, mais aussi, comme je crois, tous les acteurs européens. Ce qui garantit la pérennité de, 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 de la souveraineté, c'est deux choses. C'est une volonté politique qui se traduit par des investissements, parce que même si. Le monde de l'espace est en train de basculer vers un monde qui est beaucoup plus commercial qu'il ne l'était précédemment. L'investissement des États continue à rester absolument clé. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est l'appétence à l'innovation et la volonté de se projeter en permanence vers de nouveaux objets technologiques qui vont faire les ruptures commerciales de demain. Merci. Maintenant, j'aimerais avoir l'avis de l'industrie. Monsieur Deray. Oui, alors effectivement, peut-être revenons ne serait-ce que sur la définition de cette souveraineté spatiale. C'est quoi être euh, souverain dans le domaine de l'espace bah, C'est d'abord déployer des infrastructures spatiales de manière autonome et indépendante pour mener nos missions souveraines, qu'elles soient dans le domaine de la défense, de la navigation euh, ou, ou de l'observation, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, pour ça, il faut une industrie forte. Une industrie forte, est une industrie qui est à la fois autonome, euh, compétitive et à la pointe de l'innovation. Et on s'emploie, nous les industriels, ceux qui sont autour de la table, à, euh, à, à tenir ce, ce, ce triptyque qui est vraiment la clé de voûte d'une souveraineté durable. Mais il y a, la puissance publique a aussi un rôle important à jouer, hein, c'est ce que vient de dire Philippe. Euh, et, et en fait, il y a trois leviers importants sur lesquels la puissance publique doit intervenir. Le premier, c'est l'accès aux technologies. Thierry Breton en a parlé ce matin, on a parlé de la technologie des semi-conducteurs. C'est essentiel qu'on ait accès aux technologies fondamentales qui seront qui permettront de continuer à être à la pointe de l'innovation et le soutien au programme R&D de façon à ce qu'on soit, je dirais, les acteurs des, des ruptures technologiques. Et puis, il y a les grands programmes qui sont évidemment des conditions indispensables pour qu'on puisse vraiment passer à l'échelle et, 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 et assurer ce, cette souveraineté. Alors, il y a un certain nombre de domaines dans lesquels ça fonctionne. Je pense que Joseph en, en a parlé la navigation, l'observation avec Copernicus. On aurait pu citer la défense aussi, hein, sur lequel on a également des grands programmes qui, euh, qui soutiennent, qui soutiennent l'innovation. Les domaines dans lesquels il faut vraiment qu'on s'améliore, au-delà des lanceurs, la connectivité. C'est vrai que ce, ce nouveau sujet de la connectivité, euh, en particulier des constellations euh, de nouvelle génération. C'est un domaine dans lequel il faut absolument que on lance un petit peu l'équivalent, parce qu'on n'a pas du tout à avoir honte ou à rougir face face aux Américains en matière de, de compétences. On a absolument toutes les compétences. On, on, on l'a prouvé, je dirais, récemment à travers des, des gains d'appels de, 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 d'offres. Mais par contre, il faut effectivement le grand programme. Et c'est ce que cherche à faire Thierry Breton. Je pense que la connectivité, il faut la voir d'ailleurs pas uniquement sous l'angle de la constellation, mais c'est la constellation et sa connexion au cloud. C'est ce que font les Américains. Aujourd'hui, SpaceX est en partenariat avec Microsoft de façon à ce qu'en tout point de la planète, on puisse être connecté au cloud de Microsoft Azure. Eh bien, il faut qu'on ait une solution, une réplique à cette solution à travers ce qui est fait au niveau du cloud avec Gaia X. Et puis ce que je souhaite faire le commissaire breton avec cette nouvelle constellation. Alors cette nouvelle constellation, évidemment, elle démarre plus tard, donc il va falloir aller plus loin, être plus innovant, apporter des éléments supplémentaires, en particulier une meilleure résilience avec le, le, le multi orbite. Il va falloir aussi, sur les aspects sécurité, aller plus loin, probablement avec les euh, avec le quantique. Il y a un autre domaine qui n'a pas été cité, je pense, dans lequel on a aussi un risque potentiel de décrochage. C'est la sécurité de l'espace. Euh, on. on on a toujours considéré que l'espace était un domaine immune ou dans lequel finalement les, les, les manœuvres hostiles étaient euh, finalement limitées ou, ou, ou n'existaient pas. On s'aperçoit depuis peu que ce n'est pas le cas. Euh, les militaires considèrent même que l'espace le, est un nouveau domaine de lutte. Et là aussi, il est impératif, à travers, je dirais, les, les différents leviers que j'ai décrits tout à l'heure, et en particulier les grands programmes, que l'Europe et les nations européennes se dotent d'une capacité pour gérer cette sécurité de l'espace. En particulier, tout ce qui est la surveillance de l'espace, la capacité également à euh, maîtriser, voire neutraliser euh, des attaques. Donc, on rejoint les, les aspects de la stratégie spatiale euh, française qui a été, qui a été annoncée euh, il y a maintenant déjà deux ans. Deux, deux ans, ans. Deux ans. Ça passe vite. Monsieur Nastre, votre point de vue. Donc, je ne vais pas paraphraser ce qu'ont qu dit mes collègues. Je pense que, comme, comme on l'a dit, euh, que ce soit. Hervé, André Hubert euh, ou, ou moi, l'industrie française, l'industrie européenne joue à, à pied d'égalité avec les grands industriels du, du monde entier. Nous sommes d'ailleurs pas uniquement français. Nous sommes franco, allemands espagnols italien, et nous sommes présents dans tous les pays européens. Donc, euh, et on voit bien qu'aujourd'hui, lorsqu'un appel d'offres euh, est émis par un, un client privé ou public, euh, en général, en final, on retrouve les Européens et très souvent les Français. Donc, on n'a pas à rougir de ça. Moi, je, en termes de, de fragilité, peut-être je voudrais euh, mentionner le fait que euh, l'Europe, c'est l'Europe. Ça, ça n'est pas les États-Unis d'Europe. Euh, ça ça n'est pas l'Inde. Ça n'est pas la Chine. Ça, ça a des avantages, mais aussi des inconvénients. Et quand on parle de souveraineté, on parle d'État. On parle de gouvernance. L'industrie est là pour amener les outils et elle, elle sait le faire. Ce on a, dont on a, on a besoin, à, à mon sens, en allant plus, plus, plus dans, dans le futur, c'est d'avoir une. Une gouvernance en Europe en termes de souveraineté qui soit structurée autour des agences, l'agence spatiale européenne, le CNES en France bien sûr, les agences spatiales d'autres pays d'Europe et la Commission européenne. Donc moi, je vois des progrès faits aujourd'hui entre l'Esa, la Commission et EUSPA. Je vois que ça, les choses se sont un peu apaisées. C'était plus difficile l'année dernière. Cette gouvernance est essentielle pour qu'on ait une vision de la souveraineté commune en Europe aussi commune que possible parce qu'elle ne pourra jamais être commune, mais aussi commune que possible. Elle permettra aux industriels que nous sommes de mettre en place les infrastructures qui sont qui sont nécessaires. Moi, je suis dans un pays qui s'appelle la France et que j'adore. Je sais que mon pays aujourd'hui, avant d'engager les troupes sur un théâtre d'opération ou qu'il soit, elle sait ce qui se passe. Elle voit ce qui se passe. Elle sait l'engager. Je ne veux surtout pas perdre cette prééminence qui permette à un citoyen européen de pouvoir décider par lui même de ce qui se passe sur un théâtre d'opération. C'est ça la souveraineté. Ça a, un coût, ça a un coût sur le temps long, c'est-à-dire qu'on ne peut pas décider d'être souverain. On est souverain et il faut le rester. La France a fait un investissement pendant plus de 40 ans dans le domaine de l'espace. Elle en a fait un outil de souveraineté qui est utilisé par le ministère des Armées. Il ne faut pas s'arrêter, ça doit continuer. Et le rôle des agences, c'est bien d'organiser de, de, cette gouvernance pour que l'industrie soit au meilleur niveau. Et monsieur Roussel, pour terminer le tour de table. Je vais essayer de conclure sans, sans redire. Euh, bah, L'Europe et la souveraineté européenne, en fait, elle a un modèle qui est unique au monde, en fait, qui s'est bâti sur le, le partenariat euh, entre les États, les agences, l'industrie, les scientifiques, les, les ingénieurs, entre le public et le privé. Et c'est vrai que c'est unique au monde. Euh, et c'est grâce à ça, d'ailleurs, qu'on a pu développer, une, comme ça a déjà été souligné, une industrie au meilleur niveau mondial et une base technologique qui nous permet. Euh, d'exercer de poursuivre cette souveraineté. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, cette souveraineté, elle est, euh, elle est menacée hein, parce que le spatial co commercial, en fait, euh, que nous avons inventé hein, au travers d'Ariane Espace, au travers de Spot, au travers, j'irai de tout un tas de projets déjà privés euh, il y a déjà plus de, de 30 ans ou de 40 ans, euh, est menacé aujourd'hui par euh, ce modèle qui finit euh, là aussi à prendre en particulier de l'autre côté de l'Atlantique. Donc euh, essayons de sauvegarder ce modèle et, et, et comment le sauvegarder. Je crois qu'aujourd'hui, on a effectivement une particularité, comme l'a souligné Jean-Marc, qui est euh, bah, l'Europe, ça n'est pas un État. Et quand on parle de souveraineté, en général, on parle d'un État. Donc il faut vraiment qu'on arrive à avoir, à simplifier cette gouvernance. Alors, il y a des grands pas qui sont faits dernièrement avec entre les meilleures discussions entre la Commission européenne, l'Agence spatiale européenne, les agences nationales. Il faut vraiment qu'on arrive à avoir cette volonté, hein, parce que la souveraineté, elle, elle ressort d'une volonté, donc d'une volonté institutionnelle qui soit mieux coordonnée qu'elle qu'elle n'est qu aujourd'hui. Et ça, ça doit se traduire derrière par une ambition. Il n'y a pas de souveraineté sans ambition. Et cette ambition, il faut la renforcer. Thierry Breton a parlé ce matin de nouveau et Joseph dans, dans, dans sa vision 2025 de nouveaux programmes symboliques qui, qui vont porter cette ambition européenne. Il faut qu'on arrive à les définir. C'est ça qui va tirer l'industrie. Le deuxième problème qu'on a dans cette souveraineté, c'est également l'investissement privé. Et au-delà de l'investissement public, il y a aussi l'investissement privé. C'est vrai qu'on n'a aujourd'hui pas d'investissement de, de, comparable dans cette aventure commerciale, et ça a déjà été souligné par Joseph. Il faut vraiment qu'on arrive à se rassembler et mobiliser des financements publics et des financements privés supplémentaires autour de cette souveraineté autour de cette ambition européenne pour aller de l'avant et préserver notre modèle qui est celui de la coopération bien sûr des concours d'idées ça c'est très important dans l'innovation mais je crois fondamentalement derrière la coopération européenne pour réaliser ces grands projets parce que l'europe ne pourra pas et ne peut pas se comparer j'irai en termes de, 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 de compétition pour soutenir de nombreuses filières et en particulier dans le domaine des lanceurs Bien, ben, je suis désolé, on va rester dans le domaine des lanceurs, puisque c'est si on ne va pas dans l'espace, il n'y a pas de problème spatial. Euh, donc, l'année 2020 a été, euh, on peut le dire, épouvantable. Euh, l'année 2021 est assez intense, mais j'ai vu que ça travaille bien. J'étais chez vous il y a quelques jours et, et j'ai pu voir, euh, Ariane 6 existe, je l'ai rencontré. Euh, et, et donc, j'aimerais bien qu'on fasse le point sur où on en est avec Ariane 6, avec Vega C et avec le, le centre spatial. Alors, on va commencer par l'agence spatiale européenne. Oui. c'est Ariane? No thank you. Ariane 6 is our most important launcher to come, and we have to put all the energy and all the emphasis uh, into making the maiden flight uh, as soon as possible. And making sure that everything works well. And for this reason, I have, uh, together with uh, the uh, president of Kness and uh, also with uh, the CEO of uh, Ariane Group, uh, put uh, a small group together, an independent assessment, to make sure to look into the schedule aspects of Ariane 6 and make sure that we can do everything we need to do to launch on time. And this for me is a, is a, is a challenge, is a big challenge, uh, because building a launcher is. Not an easy game, and uh, Andre Hubert can probably describe it uh, in more vivid words than than I can. But this is a huge challenge, and we ne really need to work together because don't forget, we are in this together. If we have to launch uh, on time, I mean, that means uh, for me, on time means really next year before the ministerial conference. This is a must uh, because uh, uh, we need good news and uh, good success uh, also for our politicians uh, to, to see that Europe performs, that Europe delivers and therefore uh, it is worth investing in, uh, in space uh, um, in the ministerial conference of ESA. So top priority. And you can I can assure you that uh, on the ESA side, we put a lot of energy into uh, helping and making sure that this happens together with CNES, together with Ariane Group, together with industry uh, collectively, because this, for me, is a top top priority. you, Monsieur Baptiste, The situation at Kourou était a bit complicated aussi l'an dernier. Où est ce qu'on en est aujourd'hui Les choses, les choses avancent. Euh, je, je voudrais d'abord dire que, effectivement, je, je partage totalement ce que ce qu'a dit Joseph. Hein, C'est-à-dire 2022. Il faut absolument, effectivement, qu'on réussisse ce, ce premier tir d'Ariane 6. Euh, c'est très important pour toute l'Europe, toute l'Europe du spatial. Euh, c'est aussi c'est notre futur lanceur. Ce sera notre lanceur qui euh, va avoir euh, va bénéficier de toute l'histoire des, des lanceurs d'Ariane. Euh, donc, euh, Ariane 5 a été un lanceur qui est, enfin, est un lanceur qui a euh, un, un taux de succès absolument incroyable, une fiabilité remarquable. Euh, il faut évidemment qu'Ariane 6 s'inscrive ses pas dans, ce, dans, dans cette histoire-là, trouve sa place sur un marché commercial qui est un marché commercial qui est complexe, en particulier du fait de l'irruption euh, et de la politique commerciale extrêmement agressive d'Elon de, de, Musk outre-Atlantique. Donc, tout ça, on sait. On sait évidemment que ce sont des sujets qui sont qui sont devant nous. La priorité du moment, c'est réussir 2022. Le pas de tir sera prêt, il sera prêt très bientôt. Euh, donc, vraiment, euh, on est tous mobilisés autour de ça. À côté de ça, il faut évidemment mobiliser euh, et aussi se mobiliser sur la préparation de l'avenir. C'est réfléchir aussi à des initiatives de, de micro et de mini lanceurs. Là aussi, on réfléchit beaucoup. On réfléchit avec nos partenaires. On y travaille. On a déjà des briques qui sont déjà disponibles. Je pense en particulier à Prometheus, euh, qui est notre, notre moteur, qui est le, le moteur du futur, qui sera un moteur bas coût, un moteur potentiellement réutilisable. Et, et je crois vraiment qu'on doit le transformer très rapidement aussi en un succès commercial sur des petits lanceurs. Merci. Donc, euh... L'industrie, vous avez entendu les agences. La pression est importante. Oui. oui euh, alors bah, sur sur nous et eux, parce que bon, voilà, le premier vol, il y a le pas de tir, comme l'a rappelé Philippe, euh, qui, euh, qui doit être. C'est vraiment très collectif, et puis évidemment tout cela est. Et, et développé sous, sous le leadership de, de l'ESA. Et euh, évidemment, nous sommes tous mobilisés en équipe pour, pour réussir ce challenge. Alors, les choses, c'est vrai que l'année 2020, comme vous l'avez souligné, a été, on va le dire, épouvantable. Pas seulement en Guyane, d'ailleurs, avec la, la fermeture, les retards de tir que nous avons pu avoir, la construction du pas de tir qui a été fortement perturbée, toutes les installations industrielles. Également en Europe, hein, où nous avons. Euh, Beaucoup souffert et où on souffre d'ailleurs encore, euh, typiquement pour les prochains tests qui doivent avoir lieu à l'Empolshausen. C'est vrai que le, les difficultés de voyage entre le, la, la France et l'Allemagne, notamment avec les quarantaines imposées ne facilite pas la coopération, même si on a fait beaucoup de beaucoup de virtuel et on a beaucoup progressé dans le virtuel grâce aux infrastructures. Si j'ai bien compris, ça a été levé hier. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, tout à fait. Ça y est, on va pouvoir à nouveau, je dirais coopérer de façon plus naturelle, on va dire, plus sociale, <laughs> comme malgré les malgré les réseaux sociaux <laughs> numériques. Alors les choses avancent bien. Bah, tu l'as cité euh, voilà, euh, lors de ta visite euh, il y a quelques jours à, à, au Mureau. Euh, voilà les, 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 les principaux éléments d'Ariane euh, 6 pour les tests combinés, donc qui sont les, les, les prochains tests qui doivent avoir lieu sur notre chemin du premier tir. Euh, euh, sont, euh, sont en cours de finalisation pour être envoyés vers la Guyane euh, cet été et, et démarrer, euh, démarrer ces tests combinés dès que, dès que le pas de tir euh, sera disponible. Donc euh, on doit arriver à peu près en même temps euh, vers l'automne. Euh, et puis euh, derrière, l'intégration même des premiers modèles de vol est déjà, euh, déjà en cours. Les modèles même de, de vol de, des euh, du deuxième vol au niveau euh, euh, moteur sont également, euh, sont également terminés. Donc tout ça, on, on prépare déjà également le ramp-up industriel parce que les, les clients attendent tout cela derrière. Alors dans les challenges, c'est évidemment un challenge de l'année 2021. Test, euh, test à sauzen de l'étage supérieur, qui est la grande innovation qui donne à Ariane 6 toute sa polyvalence et la réponse à l'ensemble du marché. Euh, donc cet été, les tests combinés et puis euh, les tests euh, et la préparation du premier vol au cours du, du début de l'année pour voler au deuxième trimestre euh, 2022, alors sans marge. C'est vrai que si quelque chose ne se passe pas bien, on a encore quelques risques, mais on fait, on fait tout pour piloter et être prêt et voler avant la conférence ministérielle. Alors, au-delà de ces challenges d'Ariane 6, il y a également des challenges sur Ariane 5, puisqu'on va redémarrer. Les tirs Ariane 5 cet été et un vol absolument symbolique et très très important pour nos institutions et en particulier pour la coopération entre l'ESA et la NASA avec le vol du, du télescope James Webb à la fin de l'année, donc qui est aussi fait partie des choses que nous préparons de façon extrêmement intensive en ce moment et bon, la normalisation, je dirais, des. Des opérations va vivement aider nos équipes qui se sont mobilisées et qui ont souffert, il faut le dire, durant, durant ces, cette dernière année avec la crise du Covid. Et puis, Philippe l'a souligné, c'est également la préparation du futur. Euh, on est à fond sur la préparation de Prometheus, donc le futur moteur Baku euh, qui va permettre la réutilisation sur le démonstrateur Témis, qui permettent déjà d'envisager des évolutions d'Ariane 6, pour la rendre encore plus compétitive, ou des, des futurs, le futur lanceur, les futurs lanceurs européens qui vont répondre à cette nouvelle ambition européenne que j'appelle de mes vœux autour de l'espace. Merci. Euh, donc, maintenant que l'accès à l'espace est, espérons-le, couvert. Euh, la question donc des, des infrastructures spatiales et des, des de, leurs, de leurs applications, euh, l'imagerie où on veut quand on veut, euh, c'est quelque chose qui est assez compliqué. La, la, la connectivité, on, on l'a évoqué. Euh, vous êtes tous partie prenante dans dans ces activités. Euh, quels sont les principaux défis que vous identifiez aujourd'hui je vais commencer par euh, par la connectivité, je vais commencer par Monsieur De parce que vous avez une magnifique constellation euh, qui a été commandée cette année, et c'est quand même important de le noter. Oui, oui. Alors je vais justement, on m'entend bien. Je vais utiliser cette cet exemple pour illustrer mes propos. Donc effectivement, la, la, la sécurité des, des infrastructures spatiales, c'est un, un, un gros sujet. Et euh, en fait, je vais prendre effectivement l'exemple des constellations, parce que c'est a priori euh, ce type d'infrastructures qui sont les plus euh, sensibles ou les plus exposées à des risques de sécurité, avec un certain nombre de défis, euh, des défis liés à la résilience de ces infrastructures. Thierry Breton a beaucoup parlé de la résilience des infrastructures spatiales mais également, euh, je dirais des, des risques, des risques de compromission parce que les infrastructures de constellation, bah, elles ont une infrastructure seule qui est déployée sur l'ensemble de la planète, donc euh, autant de, de risques de, de compromission et de, même de problèmes de sécurité physique. Et puis, euh, je dirais les risques de cybersécurité, de hacking à partir de n'importe quel euh, terminal. Euh, alors, effectivement, Telesat est, est un bon exemple. Hein. C'est un projet donc qu'on a gagné en, en tout début d'année. Et qu'on va réaliser avec des technologies européennes, je dirais même françaises en très grande majorité. Et donc à ce titre, les technologies qu'on utilise sont complètement pertinentes et applicables, typiquement à la constellation européenne que Thierry Breton souhaite, souhaite lancer. Alors finalement, qu'est-ce qui est fondamental sur ces aspects de, de, de sécurité Première chose, c'est la maîtrise de la technologie. Si on prend ces, ces, ces sujets des constellations. Le cœur du cœur, c'est ce qu'on appelle le processeur numérique. C'est le processeur numérique qui est finalement le cerveau de ces satellites. Et c'est par ce cœur numérique que passe l'ensemble des flux de données. Donc, maîtriser ce cœur, c'est très important. Et c'est ce qu'on fait, nous, puisqu'on on, on, on développe et on réalise l'ensemble de ces, de ces processeurs numériques et qu'on s'appuie sur des composants qui sont co-développés avec une société européenne qui est ST microélectronique je, je, je cite, ce, ce, ça a l'air d'être très, très technique mon exposé, mais rappelez-vous la polémique sur la 5G euh, en, en Europe avec euh, Huawei, dont on ne savait pas exactement si finalement euh, ces systèmes étaient complètement fiables, s'il n'y avait pas de, de, de backdoor. Et bien simplement cette question se posait parce que justement on ne savait pas, on ne connaissait pas les, les technologies utilisées par, par Huawei euh, en Chine et de ce fait on n'était pas en, en certitude qui ne, ne représentait pas des, des, des risques, de, des risques de, de, de compromission ou des risques de cyber. Euh, L'autre élément important pour la sécurité de ces infrastructures, euh, c'est lié à, à l'architecture. Et donc, si je, re, je reprends toujours mon exemple de TéléSat, on a une architecture qui est une architecture complètement maillée, c'est-à-dire que chaque satellite est lui-même en, en, en connexion par des, par des liaisons laser avec quatre autres satellites. Et par conséquent, si l'un d'eux tombe en, en panne, eh l'ensemble du, du réseau maillé continue à fonctionner. C'est le principe du, des réseaux IP. C'est une sorte de réseau IP dans l'espace, si vous voulez. Euh, et, et par ailleurs, ça permet d'avoir une infrastructure au sol qui est plus limitée. Et, et en particulier aussi d'éviter que euh, les signaux qui redescendent sur le sol eh bien, passent dans des pays euh, qui ne seraient pas des pays amis ou dans lesquels on a un risque, de, je dirais, de, de, de compromission. Donc on peut tout à fait avoir une, une architecture souveraine grâce à ça. puisque Finalement, on peut décider qu'on va faire redescendre le signal dans un endroit qui est totalement maîtrisé, sur le sol européen et dans un environnement maîtrisé. Voilà, donc quelques exemples de comment gérer ces, ces, ces challenges ou ces défis de, de sécurité. Alors il va falloir aller au-delà, le commissaire Breton en a parlé ce matin, dans la cybersécurité, il va falloir avoir une cybersécurité qui soit post-quantique, qui soit capable de je dirais, de résister même à des ordinateurs quantiques. On s'y emploie, c'est ce qu'on veut faire dans le cadre de la, de, la, de la constellation européenne. Et puis il va falloir évoluer pour avoir plus de résilience, je parlais tout à l'heure de, des architectures multi-orbites. Et puis, il va falloir aussi assurer une résilience par rapport au réseau terrestre, qui est une des, une des missions qu'a fixé le, le commissaire breton ce matin à cette constellation européenne. Et je pense en particulier aux promesses que peuvent apporter l'accès direct en 5G. Hein, puisque vous savez que le, la 5G va bientôt être est une norme qui sera compatible avec le spatial et avec un terminal classique, vous allez, je dirais à terme, pouvoir non seulement communiquer avec les réseaux terrestres 5G, mais également avec le, le réseau satellitaire, ce qui offrira une forme de, rése, de, de résilience pour nos pour nos réseaux terrestres. Merci, Monsieur Nastre. Vous avez vous aussi une constellation avec OneWeb et vous aussi des des euh, euh, Processeur euh, numérique avec les satellites OneSat et euh, Quantum qui sera lancé prochainement. Euh, et quelque part, vous n'avez pas les mêmes fournisseurs. Donc, euh, c'est bien un gage de souveraineté, ça, finalement, parce que non seulement on, non seulement on sait faire, mais en plus, euh, on n'est pas dépendant d'une seule source. Oui, alors je, je, je vais un peu renforcer ce que vient de dire Hervé. Je pense que la souveraineté communication est absolument non négociable. Et c'est vrai qu'on sait la maintenir. Je pense que tout ce qu'a mentionné Hervé est absolument clé. Nous avons, quand on vous dit qu'on n'a pas les mêmes fournisseurs, on a une supply chain qui est bien organisée et qu'on et qu qu contrôle de la meilleure façon qui soit. Et on a aussi mis en place un observatoire pour être sûr que ces, ces fournisseurs, qui sont parfois des PME, soient résilients aux crises qu'ils ont traversées. En particulier, je voudrais mentionner qu'en 2020 et début 2021, nous avons mené au titre du Gifas, de la commission espace du Gifas, on a observé cette supply chain parce que souvent les petits n'osent pas dire qu'ils vont mal parce que quand un petit dit qu'il va mal, parfois il n'a plus de contrat ou il a moins de contrat. Donc nous avons, nous avons surveillé ça et cette supply chain s'est montrée résiliente et je suis assez fier aujourd'hui de, de ce qu'on a en Europe et en France. On est aujourd'hui nos fournisseurs d'équipements sont éligibles dans de nombreux appels d'offres internationaux et gagnent des parts de marché. Un petit élément que je voudrais signaler, les liaisons intersatellitaires optiques de la, de la constellation américaine de la Space Defense Agency, ce sont nous qui les faisons. Donc c'est très bas bruit aux États-Unis, ce n'est pas, pas dit euh, dans toute la presse, mais enfin c'est nous qui faisons ces liaisons intersatellites. Donc vous voyez que l'offre européenne est aussi sélectionnée par les Américains lorsque c'est nécessaire. Et, mais peut-être un, sur un, la partie non euh, télécom et plus observation, si vous permettez, en, en deux minutes. Ah, C'était ma question d'après. Voilà, bah, je vous laisse euh, aller alors. Non, parce que je voulais voir donc, les, ce qu'elles pensaient les agences aussi sur la connectivité. Baptiste Moi, je crois que c'est un sujet qui est absolument déterminant et c'est un sujet clé pour les années qui viennent. Alors, si on regarde bien, il y a peut-être deux sujets en fait, au sein des constellations de télécom qui, se, qui peuvent se rejoindre à un moment ou à un autre. C'est la question de constellations qui seraient des constellations gouvernementales. Pour de la communication sécurisée entre États, avec des applications sur des questions de sécurité, de défense, etc. Et puis, il y a un deuxième enjeu de souveraineté, qui est la souveraineté de la donnée, la souveraineté économique, et qui est, pour le coup, comment est-ce qu'on est capable de déployer des constellations très haut débit, basse orbite, donc avec des temps de latence qui sont très bas, pour des applications commerciales et ce point-là, euh, c'est un point qui est absolument crucial, parce que on voit très bien qu'aujourd'hui, euh, si on regarde dans les études de marché, cette question d'avoir euh, des temps de latence très bas, donc de l'internet temps réel, va prendre une importance qui est de plus en plus grande. On parle de 20% du trafic dans pas très longtemps. Euh, donc ça veut dire que les, nos industriels, je ne parle pas des industriels du spatial, tous les industriels applicatifs que ce soit dans le domaine de la mobilité quand vous construisez une voiture, que ce soit pour l'avion de demain, etc., vont avoir des besoins en de temps réel. Si l'Europe n'a pas la maîtrise à un moment ou à un autre euh, d'une constellation commerciale euh, qui va donner ce service, nous allons au-delà de grandes difficultés et, et très franchement, je ne voudrais pas faire un parallèle défaitiste, mais euh, c'est les difficultés qu'on a connues et qu'on connaît encore aujourd'hui autour du numérique, autour du cloud, autour de l'IA où on a beaucoup de mal à faire héberger un, un grand champion. Donc je pense vraiment qu'il y a une question qui est, qui est, question qui est déterminante, c'est comment est-ce que nous construisons, nous, tous les pays européens, avec l'UE évidemment, comment est-ce que nous stimulons le système pour avoir demain ces constellations, et là je parle bien des constellations commerciales dont on a cruellement besoin. À côté de ça, évidemment, il y a aussi la question des constellations, euh, la, aussi la, la question de, de constellations sécurisées pour du trafic intergouvernemental. Et, donc c'est deux sujets. Est-ce que ces deux sujets, à un moment donné, on peut les faire converger Est-ce qu'on peut avoir, est-ce qu'on peut imaginer un schéma où évidemment les deux sont articulés C'est ça les questions, je pense, vraiment clés qu'il faut trancher dans les, dans les mois qui viennent pour avoir des positions claires et prendre pied rapidement. Donc les prochains mois, ça nous amène avant la ministérielle. Euh, Artes, c'est toujours un programme qui a beaucoup de succès euh, dans les, dans les euh, levées de fonds euh, au ministériel quelle est l'approche de, de l'esa sur la question euh, en tant qu'expert technique fournisseur de solutions euh, cadre de programme no oh, thank you um, the situation of, of esa and i see ourselves uh, here, um, especially in this discussion on secure constellation as, as being one that stimulates enables uh, the development of technology with industry but also This is a very mature market, telecommunications in general, and we have to be very clear what is the role of public entities versus private entities. And this hybrid uh, approach of uh, public uh, operators or also uh, space industry together with uh, the public sector is something that has to be really played out well in this uh, secure connectivity uh, build up and, and the constellation. So, our role obviously is one that complements the private sector, but it is something where we really want the private sector to play a very strong role in leading the demand, defining the requirements, building up the key elements uh, for the constellation. and then we as esa, we make sure that we build up the technology that europe is leading, that we are not doing a copy of some other constellations around the world that exist and just uh, replicate, because then we are already 10, mi ten years too late. and uh, this is certainly not what europe wants to do. if europe wants to be Successful in this domain, we need to come with the best technology, the most advanced technology, and this is exactly where I see ESA's role. And uh, uh, coming to your point on the ESA ministerial question, yes, this is where we will focus on what, are, what is required quantum key di uh, distribution, uh, quantum uh, key technology that is required in order to really make a step further uh, in, in terms of uh, technological advancement. But this and um, uh, secure connectivity is for me a prime example where the roles of the various players, public, Private uh, and uh, the user community has to be very well established and really uh, driven by the various partners. Uh, and there, uh, on my side, I'm ready to invest or to ask the member states to invest in, in order to make this jump of technology. But as I say, this has to go hand in hand with the private sector. Alors, justement, un exemple où l'Europe est vraiment en tête sur toutes les technologies, vous admirerez la transition, c'est l'observation de la Terre. Avec les programmes Earth Explorer et Copernicus, comment est-ce qu'on fait pour garder cette primauté, si j'ose dire I mean, this is a, a very good example indeed, because Europe today has the leadership in in Earth observation uh, in many segments, in the medium resolution part uh, for public services through Copernicus, uh, in the Research and technology development part through the earth explorers, but also in the private uh, segment uh, through the very high resolution satellites, we have uh, some of the best satellites in the world so Europe has really established here through a, through public uh, stimulation uh, a top um, expertise and uh, uh, quality which uh, is quite unique and is not yet matched by other countries but and you have to be very careful there uh, others are catching up very fast on the commercial sector of course we know perfectly well what is happening there in the, in the very high resolution segment but also in the other segment which is more uh, to do with uh, would say the, 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 the disaster management applications agriculture uh, which require not the uh, 30 centimeters but maybe one or two meter or five meter resolution uh, sensors and europe has uh, a key role to play but i've, I've been recently in, uh, in china uh, to see what uh, happens there in terms of space and I have been quite surprised to see that uh, the Copernicus Sentinel missions have actually been or are being replicated. They called, uh, they're called differently Gaofen. Uh, we have six uh, series today and uh, soon 12 series in, uh, in the future with the second generation. In China, they already have 12 uh, series of uh, Gaofen missions uh, radar, optical. Uh, wide swath uh, missions uh, ocean temperature air quality just the same type of missions that we have in europe actually quite surprising uh, uh, there was a mock-up of one of the radar satellites uh, which i thought was sentinel one no it was gauven uh, uh, 3 which uh, looks uh, even from the design with the uh, twisted uh, solar uh, panels uh, on, uh, the same the same as ours. So what I'm saying is that Europe can only remain in the leadership if we invest in innovation, innovation, and innovation. And this is for me the key to stay ahead in all sectors. And that's what ESA is here to do uh, to make sure that this innovation and technology development is happening. Uh, I think we are at a very good position. But yes, we need to continue doing that. Merci, Monsieur Baptiste. L'observation, c'est au cœur de questions de souveraineté, évidemment. Je vais se rappeler, si on peut prendre un exemple un peu ancien, l'une des, des raisons pour laquelle nous n'avons pas participé à une guerre contre l'Irak, c'est parce qu'on avait les capacités d'observation. C'est vraiment, c'est absolument fondamental. C'est aussi la source d'un énorme business qui est en train de se construire pour demain. Parce que tout. Tout, toutes les applications, tout l'aval du spatial, une très très grande partie va passer par ses capacités d'observation et c'est comment est-ce qu'on traduit ces observations brutes Comment est-ce qu'on les fusionne entre elles Comment est-ce qu'on les fusionne avec d'autres types de données pour faire des services qui sont au profit des entreprises, des industriels, des services publics demain Et la croissance gigantesque qui va y avoir dans le monde du spatial, elle va être tirée par ces applications. Et je crois fondamentalement que notre rôle d'agence, c'est non seulement, évidemment, de pousser au développement de nouveaux produits, de nouveaux objets spatiaux qui vont produire des données, etc. Mais c'est aussi de construire l'écosystème où on va retrouver les acteurs industriels et les start up qui vont être capables de, de produire, enfin, d'utiliser toutes ces données qui sont aujourd'hui sur la table. Et ça, vraiment, je crois vraiment que c'est le rôle, un des nouveaux rôles des agences et' là. Jean-Marc, vous vouliez évoquer la question tout à l'heure. Oui, j'étais peut-être trop pressé parce que c'est peut-être l'élément de plus grande fierté de notre pays et de l'Europe. Euh, Aujourd'hui, nous, nous sommes euh, au premier niveau. Le seul concurrent euh, que nous avons, nous Airbus et France Space, dans les applications d'observation de, de la Terre, c'est Maxar, réellement. Et je, je voudrais qu'on qu fasse attention à ce que l'on dit. Il y a beaucoup de gens qui montent de belles images euh, faites depuis l'espace. Il y, a un, il, y a un, il y a un gouffre entre une belle image faite depuis l'espace et une bonne image qui arrive à temps, qui est non compromise et qui est dans le cockpit du, de l'avion de chasse ou qui est dans un centre de décision de sécurité euh, publique. Là, il y, a, il y a un pas de géant que nous avons franchi. Nous savons faire ça. Euh, beaucoup de gens en parlent, mais nous, nous le faisons tous les jours. Je pense que c'est absolument clé. On parle aussi beaucoup de, de new space, d'innovation dans les modes de financement. C'est un domaine où la maturité a été atteinte. Nous avons financé sur fonds privés la constellation Pléiade Neo, qui est probablement la plus avancée en, en, en observation commerciale du monde. Enfin, nos amis de Maxstar ne sont, sont pas encore. Ils vont y arriver à la fin de l'année, mais nous, nous sommes déjà en orbite. Et les images, vous les avez vues, elles sont exceptionnelles. Et encore une fois, ce ne sont pas des belles images. Ce sont des images opérationnelles, cyberprotégées, et qui permettent de localiser ce que l'on voit sur les images avec une précision inégalée. C'est aussi un, un domaine où nous avons innové avec les agences. Je veux mentionner le programme CO3D, qui est un programme PPP entre le CNES et Airbus Defense and Space, où nous développons une constellation d'observation de la Terre ensemble. Il y a de l'investissement privé, il y a de l'investissement public. Ce sera sans doute la première constellation pour de la revisite qui sera euh, au premier niveau. Donc euh, je, je, je vois ici, et ça c'est le résultat de 40 ans d'investissement, de, de prééminence de la souveraineté qui a permis de créer cette, cette compétence. Joseph a parlé toutes les données climatiques qui sont derrière. Nous sommes capables aujourd'hui de prédire le climat. Nous sommes capables aujourd'hui de, de prédire, de surveiller euh, la, le, la, la, la crise du CO2 dans le monde avec les nouvelles missions comme CO2M qui vont bientôt être lancées. Tout ça, ça c'est l'Europe qui le fait. Donc cette, cette euh, souveraineté à la fois euh, publique et défense est aujourd'hui atteinte. Il faut continuer à la développer, mais surtout, surtout, il ne faut pas qu'on soit, euh, euh, qu soit peu fier de ça. Je pense que c'est un c'est une approche absolument exceptionnelle et on l'a fait avec des moyens qui n'ont rien à voir avec ce que les Américains ont pu déployer. Donc euh, ça montre que l'Europe, quand elle se met ensemble, est capable de faire des vrais miracles. On retourne vers M. oui. Que... Pas, pas, pas grand-chose à ajouter puisque le, le sujet a été bien couvert. Simplement pour dire qu'effectivement, je reviens sur ce, que, sur ce que vient de dire Jean-Marc on est, je dirais, en Europe au, au, au tout meilleur niveau. En fait, hein, et et lorsqu'on parle du tout meilleur niveau, je parle de, de, des applications dans le domaine de la défense. Hein, euh, le, le CSO, euh, CSO1, CSO2, qui ont déjà été lancés, qui euh, offrent des, des images a priori au tout meilleur niveau mondial. Dans le domaine des radars, avec les, les équipes de Tasse en Italie, on a également le, 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 les toutes meilleures résolutions euh, dans le domaine du radar. Donc, on a vraiment euh, l'excellence. Alors, je reviens tout à l'heure sur ce que je disais tout à l'heure, sur le, le, le triptyque qui permet, de je dirais, de maintenir cette, cette souveraineté, et de maintenir euh, cette, euh, cette, ce, ce, ce plus haut niveau mondial. Donc, les, les, les technos, le soutien à la R&D et les grands programmes. Donc, il faut évidemment qu'on maintienne absolument l'effort dans ces domaines à travers des programmes de défense, parce que c'est ça qui nous tire vers le haut. Hein. Les programmes de défense sont les plus exigeants et ceux qui nous, qui nous amènent à, à l'excellence. Et puis, et puis évidemment, la suite de Copernicus, les six missions qu'il faut absolument financer pour pouvoir continuer à rester au, au meilleur niveau mondial et de façon à ce que peut être que les Chinois nous copient, mais ne fassent que nous copier, ne nous dépassent pas. Voilà. C'est très important. Bien, juste une petite anecdote pour quand même continuer à flatter un peu notre souveraineté. Il y a quelques années, j'étais à Washington à déjeuner dans le cadre d'une conférence où un sénateur américain tapait des points sur la table. Il était très 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 mécontent parce que le meilleur satellite d'observation au monde était français. En fait, c'était Pléiade. Voilà. Et quelque part, j'étais le seul Français dans la salle et je trouvais ça assez assez, assez agréable à mon oreille. Euh, nous avons parlé de ce que nous avons, nous n'avons pas parlé de ce que nous n'avons pas. La semaine dernière, euh, il y avait un congrès euh, sur l'exploration spatiale à, à Saint-Pétersbourg et euh, un groupe de travail indépendant, comptant euh, approximativement des gens venant de vos cinq entités, euh, a fait une présentation très intéressante sur euh, le fait que l'Europe a toutes les technologies prêtes quasiment. Pour développer un système de transport spatial habité, puisque c'est le domaine où, pour le moment, nous nous contentons de faire du stop chez tous nos partenaires. Euh, J'aurais voulu. Ah bon Quand je dis faire du stop, c'est un peu la provocation. Mais euh, ces technologies existent elles sont disponibles il ne manque apparemment qu'une volonté politique, qui est un autre nom pour dire un budget. Euh, J'aurais voulu avoir vos, vos avis sur la question euh, parce que est-ce que la souveraineté européenne a besoin de cela On m'a souvent dit euh, l'Europe n'a pas besoin de habiter parce qu'en Europe, on n'a rien à prouver. Ce qui est une approche, je ne sais pas si c'est encore audible aujourd'hui. Je voudrais votre avis. Qui veut commencer Je peux, peux, peux peut-être commencer. Voilà, et effectivement... Euh je pense qu'en tous les cas, c'est le bon moment pour réinterroger. Je sais que Joseph le fait. Ça fait partie justement de ses ambitions. Euh, sur lesquels euh, ben, il faut se réinterroger. C'est vrai que l'Europe a toutes les technologies. Elle a participé en partenariat à de nombreux à de nombreux programmes hein, qui lui ont qui lui ont permis de, de développer ces technologies. Il y a très longtemps la R&D, euh, le, la TV, voilà tous ces, euh, les modules euh, les modules habitables pressurisés euh, qui sont euh, voilà on, on a tout ça euh, à notre disposition. On a les compétences. Alors c'est vrai qu'il faut un grand programme si on veut entretenir ces compétences. Les générations se renouvellent, donc je pense que c'est le bon moment par rapport au renouvellement des générations là aussi pour réinterroger le sujet. Qu'est-ce qu'on veut faire dans ce domaine-là Il faut rappeler aussi qu'à l'origine Ariane 5 avait été conçu pour transporter la navette, la navette Hermès. Je pense que c'est un des éléments qui a permis à Ariane 5, comme ça a été rappelé tout à l'heure, être le lanceur le plus fiable du monde. Euh, ça, nous permet, euh, ça nous permet aussi sur Ariane 6 de capitaliser là-dessus puisque ça fait partie des domaines sur lesquels on n'a pas fait de compromis hein, malgré euh, la baisse des coûts hein, qui était le, le leitmotiv d'Ariane 6 mais, euh, <laughs> et qu'on a réussi et quand on est en Paris, qu'on est en train, on passe de réussir. Mais néanmoins, il n'y a pas de, de compromis qui a été fait là-dessus. Donc, je pense qu'on a vraiment tout, tout pour faire. Et euh, bah, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est réinterroger. Et je crois qu'il n'y aura pas de doute le grand public, euh, sur son appétence pour avoir ça. Hein, ce que ce groupe de travail a dit, que grosso modo, ça coûterait 2 euros par an et par citoyen européen pour développer un programme comme ça, qui puisse faire voler nos astronautes dans, à la fin de la, de la décennie au début de la prochaine. Euh, voilà. Et derrière, pour interroger nos politiques, hein, pour faire naître cette ambition. Et je crois que. Que Joseph a vraiment pris le flambeau sur ce sur ce sujet-là et euh, l'industrie est tout à fait prête. Euh, voilà, il, y a, il y a des briques partout, chez, chez Thales Alignage Space, chez, euh, chez Airbus, chez, euh, chez Ariane Group, euh, pour construire un beau projet fédérateur de coopération et qui redonne une grande fierté à tous nos ingénieurs qui sont capables d'aimer du meilleur. Oui, oui du euh, coup. Oui, Bien sûr, d'abord, je pense que l'espace fait de nouveau rêver. Et effectivement, il y a une appétence extrêmement forte. Voilà. Il y a plein de facteurs pour ça. Ce peut-être pas lieu le lieu d'en débattre. Mais effectivement, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une très forte appétence autour du vol habité. Euh, moi, je voudrais, je voudrais rappeler quand même que le, les États-Unis dépensent sur les activités spatiales environ 60 milliards de dollars par an. Vous compris. Privé, public, militaire, civil. Si on regarde en Europe, on est plutôt sur 12 milliards d'euros par an. Si on fait un programme de vol habité, il faut être très clair que ça va c'est effectivement 2 euros par habitant. On peut voir les choses un peu différemment si on regarde en budget global. C'est beaucoup d'argent en plus. Et donc, ça veut dire que c'est des questions de choix, de priorité. Et il faut aussi que les États, à un moment donné, décident collectivement, de savoir vers quoi ils veulent aller. Est-ce que c'est faire ça à la place de quelque chose ou est-ce que c'est faire ça en plus Donc ça, c'est des questions vraiment de politique, des questions clés. Et il faut évidemment que nos gouvernements, là-dessus, nous donnent une feuille de route, se positionnent sur le sujet. Donc évidemment, je pense que on, la question de technologie aujourd'hui, je pense qu'on est tous convaincus que nous saurions faire en Europe du vol, du vol habité assez facilement et qu'aujourd'hui, on maîtrise les, les différentes briques technologiques. La question, c'est faire du vol habité. Alors, pourquoi faire malgré tout C'est quand même une vraie question. C'est pourquoi est-ce qu'on veut faire du vol habité Et puis, deuxièmement, qu -ce, quel budget est-ce qu'on veut y consacrer Sachant qu'évidemment, à côté de ça, on voit bien qu'il y a des questions qui viennent très très fort. On a parlé des constellations. Là aussi, c'est des, des budgets qui sont, quand même, qui sont quand même tout à fait significatifs. Des questions absolument cruciales pour l'avenir du spatial et pour l'avenir de la Terre autour de l'observation de la Terre et de Copernicus. Donc, là aussi, c'est une priorité. Donc selon la question en fait fondamentale et ce dont on est en train de parler juste là c'est quelle est l'ambition de l'Europe pour le spatial et ça c'est ça c'est une question absolument déterminante qu'il faut régler dans les années qui viennent avant évidemment avant la séminaire. Merci. No thank you. Um I mean, this as 2025 mais it's also very close to my heart uh, to get uh, this discussion going uh, because I'm seriously convinced if uh, Europe is not gearing up in terms of ambition and is not uh, expressing itself of what Europe wants to do in space we are left behind we are thrown out uh, out of the race and this is serious in the sense of uh, really losing out opportunities uh, which are there and which are unique and which are quite uh, quite large um, as we all know on the dot-com uh, uh, discussion Europe has or had the IT competence, but the biggest companies are not in Europe. They are in uh, the US, they are in China, they are in other places. A uh, similar thing happened in artificial intelligence. Uh, Europe has the capability, but the biggest uh, investments are not in Europe, and the biggest uh, knowledge of artificial is not in Europe. Uh, the same applies to supercomputing. Again, same uh, discussion. Europe has or Europe had the capability, but again, the biggest supercomputers are not in Europe now. In super compu high-performance computing, we are catching up, and for me, space is at a similar stage right now because we have the expertise. We have heard it; we can uh, build a human-rated spacecraft. Uh, we have leadership in some domains. We have it today, but and this is really important: if we are not investing, we are thrown out of the race, and we will be in a situation where uh, we are in the dot-com world today. That uh, Europe has fantastic uh, capabilities today, but in 10 years from now, 15 years from now it's not happening in europe, and this for me is a huge danger. and yes, human-rated spaceflight for me is the key in order to the symbol how this can be happening and this uh, can be materialized. i mean, it cannot be, and i'm very sorry to say, it cannot be that there are an economic power, a political power like europe, which is comparable to the u.s., and china, more or less, is not capable today of flying its own astronauts to space. and there i think it needs politicians, it needs uh, visionary, courageous politicians who stand up, like jfk did in 1962, stand up in front of the people and say, we europe, we want to bring an astronaut to the moon or beyond to mars or another, uh, another uh, planet. and i think this is something that europe needs. it doesn't only mean that we need to acquire the money. yes, of course, the money needs to be organized, but there's a huge fallout, a huge share. Uh, a benefit in all segments of economy, which are enormous, and I think these politicians at top level will realise that this is something that Europe needs, or otherwise, if Europe doesn't do it, Europe will fall behind as a as a world uh, economic power or as a political player and on the world stage. And that, for me, space is the element, as we see in China or in America, where where this uh, this. Uh, uh, Positioning of our, of our country or in our case of Europe, a collection of countries is happening. So Europe cannot afford, in my opinion, not to be part of this community. If we want to remain a political and a political power in the world in 10, and 20 years from now. J'aurais voulu avoir la réaction d'Airbus de, de, et de parce que Vous, dans le domaine du, du transport, du, de l'exploration spatiale, non seulement vous fabriquez des éléments, mais vous les exportez vous avez des clients américains vous, vous êtes vous collaborez sur le module qui va permettre aux Américains d'envoyer leurs astronautes vers la, vers la lune. Comment, chez vous tout cela est vécu à l'intérieur par les équipes monsieur Deret? peut-être effectivement c est, c est, ce qui est intéressant c'est qu'on revit le match des années des années 60 en fait hein, on en a parlé euh, la petite différence donc c'est que c'est plus les mêmes pays c'est les US et la Chine. L'autre différence, c'est qu'interviennent des acteurs privés également, parce qu'il y a autour de ce sujet de l'exploration humaine, potentiellement des enjeux commerciaux, des enjeux business. Et c'est ce que vous venez d'expliquer. Effectivement, on est, par exemple, positionné sur un marché avec une société qui s'appelle axiome qui a l'idée de faire une forme de, de tourisme dans l'espace. Donc, bon, peut, -être, peut être des retombées qui sont évidemment probablement pas à l'échelle des 2 euros par citoyen et, 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 et par an. Mais on voit que c'est un domaine qui va attirer de, de nouvelles appétences. Moi, je ne me positionnerai pas sur le choix politique. Je dirais que le choix politique, il, il reste politique. Euh, Joseph a, a communiqué sa, sa vision là-dessus. Euh, c'est vrai que euh, si, probablement, si on veut être une grande puissance, il faudra, il faudra être capable d'avoir cet, cet accès automane, autonome à l'espace. Simplement, je, je constate qu'on polarise toujours euh, le sujet sur le sujet des lanceurs, euh, qui est le sujet le plus visible, le plus emblématique euh, autour de ce sujet de l'exploration humaine. Il y a d'autres technologies, il y a d'autres capacités euh, qui sont nécessaires. Euh, on a parlé des modules pressurisés. André Hubert parlait des modules pressurisés qu'on qu produit à, à Turin. C'est une expertise aujourd'hui qui est non seulement reconnue, mais que, que je dirais les Américains viennent nous chercher sur ce type d'expertise. Et c'est à ce titre, évidemment, qu'on est présent sur la, la, sur la, la station euh, lunaire euh, et également sur, euh, sur d'autres projets. Donc, euh, voilà, regardons le problème de façon plus large. Euh, je pense qu'il y aura aussi des enjeux autour de la robotique euh, sur, euh, sur Mars, sur, sur le, la Lune ou sur Mars. Hein, Qu'est ce qu'on peut faire dans ce domaine? Potentiellement, on va même parler d'habitat, euh, puisque une fois qu'on sera arrivé euh, sur la Lune, euh, comment est que comment est ce qu'on héberge nos, nos astronautes? Voilà, donc, d'autres enjeux, élargissons le, le, le débat, je dirais, à l'ensemble du sujet, et ne le regardons pas uniquement sous le prisme, sous le prisme des, des lanceurs. Position d'Airbus Oui, pour, pour compléter, enfin, je crois que tout le monde sait que les premières paires de bottes féminines sur la Lune elles seront propulsées par l'European Service Module qui est fait à Bremen. quand même. Donc, <rire> vos, <rire> les Américains ne le disent pas trop. Et, et l'European Service Module, c'est quoi C'est une coopération entre Airbus, ASI Space et Ariane Group. Donc, les trois, nous, nous trois, c'est une. C'est nous qui allons aller sur la Lune avec les Américains. Le retour des échantillons martiens de persévérance, c'est nous qui allons le faire. Le premier vaisseau spatial qui reviendra de Mars avec des échantillons, il est européen. C'est héros. Et donc, je crois que, comme vous l'avez dit, on a tous les éléments qui sont prêts. Donc, sur le sujet, on a aussi des expériences comme Roxy pour produire de l'oxygène à partir de régolithes sur la Lune. Des choses qui sont inventées par l'Europe. On a eu le premier prix à l'IAC l'année dernière sur le sujet. Donc, les, les compétences sont là. Euh, moi, mon seul message vers le politique, parce que l'exploration humaine, c'est le politique, c'est que nos bureaux d'études sont prêts. On a nos crayons prêts, et euh, que ce soit chez Thales, Aéna Space, Ariane Group et Defense and Space, Airbus, Defense Space, le jour où la décision sera prise, nous saurons faire. Après, moi, ça, c'est une position plus personnelle. Je pense que l'exploration de l'univers lointain, au-delà de l'orbite terrestre, c'est une affaire de, de la planète, plus qu'une affaire euh, peut-être française ou européenne. Je, je crois franchement, à la coopération internationale. Je pense que c'est trop cher d'aller sur Mars euh, tout seul. Hein, je, moi, je sais que quand persévérance, enfin, les, les échantillons vont revenir. Je serai déjà à la retraite. C'est 2031, donc euh, nous tous. Aucun d'entre nous ne sera là pour euh, en, en, en train de travailler sur le sujet. On sera en train de faire autre chose. Mais euh, cette mission martienne ne peut pas se faire avec un seul État. On voit bien que elle peut se faire que parce qu'on coopère ensemble et qu'on le fait le mieux possible. Donc moi, j'appelle à, à cette coopération internationale au delà de l'Europe. C'est le seul moyen pour que l'humanité euh, se propulse à d'autres horizons. Je note une approche assez universaliste euh, que je vais, comment dire, malheureusement, euh, euh, refroidir avec la question suivante. Euh, une grande question qu'on me pose régulièrement, dès qu'on parle de souveraineté euh, dans l'espace, euh, souveraineté européenne, beaucoup de monde me disent, c'est une approche française. Et donc, je me demandais si c'était vécu de la même manière par nos euh, partenaires. Bon, pour la question, je, je précise, pour ceux qui ne sauraient pas, que Joseph H. Barer est autrichien. <laughs> mais je sais que sur tout un tas de sujets, nous avons la question avec nos voisins allemands est-ce que la souveraineté européenne est quelque chose J'aimerais avoir vos, vos points de vue, éventuellement vos expériences. To try? Oh, thank you. European sovereignty, of course, is, a, is, a, is um, formulated by the French as eloquently as probably nobody else can can do it because it's something that is uh, is at the very core of building up a strong European identity. But as a uh, non French uh, now living in, in France, I fully agree that this is something where Europe has to invest. Just look outside Europe uh, or look outside France or outside Europe. What is America doing? Why is America investing in in space so much? Uh, actually, the same amount of money in the defense sector than they do in the civilian sector. Why is uh, China investing so much in space, uh, In more probably driven by, uh, by uh, defense uh, uh, requirements than by civilian requirements? They do it because they want to have independent access to space, but independent uh, strategic autonomy of what they do in space. And for them, space is one means of uh, creating this uh, in america. in america, they say it very clear, this dominance on the world stage in terms of market, in terms of economy, but also military power. and that's something where europe is completely oblivious, at least at european level, not at french level, not at uh, german level, not at italian level. some countries have uh, a pretty strong national capability, but at european level, uh, there's very little discussion on how to use space for a much better uh, positioning, of Europe as a continent, in terms of uh, access to space, information, infrastructure, but also uh, from a security point of view, you might even want to use the word defence, which of course is a no-word in, in at European context. But certainly, for me, this is a debate that has to happen without an open debate. And I am very conscious of the delicate nature of uh, of this uh, debate of the topic itself. But for me, in 10 years. 15 years from now, there will be a, a european defence union, if I, um, as uh, you can also see it in some programmatic uh, uh, projections. and if there's a european defence union, space has to play its role. and certainly this is a, a european activity where i, I certainly expect a, a, a big development. but maybe we're at the very early stage of this discussion because today this is still a very difficult discussion. Alors, évidemment, la France a une position particulière sur la question de la souveraineté, surtout si on la voit à travers un prisme exclusif de la défense. Je note quand même que la France n'est pas le seul pays européen, loin de là, qui euh, utilise un certain nombre de systèmes d'observation satellitaire sur les questions de défense. Mais au-delà des questions de défense, la question de souveraineté, c'est une question de souveraineté économique et industrielle. Et, la question qui se pose aujourd'hui autour du spatial est la même que celle qui ne s'est pas posée malheureusement il y a 15 ans sur les questions du numérique. Qu'on appelle ça euh, dot com ou qu'on appelle ça artificial intelligence, c'est le même sujet, c'est à dire quelque part à un moment ou à un autre. Le fait que l'ensemble des pays européens n'a pas réussi à se saisir du sujet et à réussir à faire les investissements et à créer des leaderships commerciaux derrière. Et donc la même question se pose aujourd'hui sur la question du spatial. Et je crois que là-dessus, euh, tous les pays européens, euh, l'Allemagne en premier lieu, est extrêmement mobilisée. Et je pense que là-dessus, derrière, l'Union va être extrêmement moteur. Oui, on peut citer euh, un certain nombre de points, hein, le, le, notamment la surveillance spatiale. Tout le monde maintenant a des infrastructures euh, critiques dans l'espace, hein, pas seulement la France, hein, l'Allemagne. L'Italie, etc., ont des infrastructures qui sont critiques, bien sûr, pour leur défense, mais aussi pour la sécurité des citoyens, pour l'agriculture, pour l'économie au sens large, etc. Donc que dira-t-on demain Que dira demain l'industrie automobile française, allemande, italienne, si elle ne peut pas assurer la sécurité du transport en véhicule autonome Cette industrie mourra. Et donc, je pense que c'est au cœur de la souveraineté européenne et il y a tout un tas d'exemples comme ça euh, sur lequel je pense que les, les, les citoyens ce, européens et les gouvernements européens vont se retrouver et commencent déjà à se retrouver. Airbus vous qui êtes franco allemand. Oui, on est franco euh, allemand, espagnol et anglais, même si c'est moins européen petit euh, peu. Euh, la souveraineté économique, comme l'a dit Philippe, est absolument clé. C'est-à-dire que tant qu'une société comme Airbus est capable de développer les infrastructures dont l'Europe a besoin de manière autonome avec les technologies clés, je pense que l'Europe est bien gardée. Après, la question qui est posée à l'Europe, c'est de quelle souveraineté veut-elle en fait, de... On a parlé du militaire. Le militaire, c'est très clair. Et c'est vrai que la France, l'Allemagne et l'Italie ont leurs satellites d'observation militaire. Donc chacun a créé ses propres satellites. Il y a une coopération militaire entre elles et ça se passe bien. Euh, moi, je vais faire un parallèle de deux minutes sur un sujet que, chez Airbus, on travaille, qui s'appelle le FKAS ou le SCAF quand on est en France. La souveraineté de l'aéronautique militaire en Europe, ça a été un sujet très, très difficile. Alors, on attend le, le Bundestag du 23 juin pour savoir si la fumée est blanche ou grise. Mais, vous voyez, créer un... Un successeur de l'Eurofighter et du Rafale, ça a été un sujet extrêmement politique, extrêmement délicat, parce que c'est la souveraineté. Dans l'espace, on est beaucoup plus humble. On ne parle pas des mêmes sujets, mais c'est bien ça qui est devant nous, c'est-à-dire quelle infrastructure de défense on veut demain, lorsqu'on lorsqu aura des avions de chasse, lorsqu'on aura des drones, lorsqu'on aura des équipes des, des troupes au sol, et qu'il faudra les interconnecter entre elles de manière résiliente pour être sûr que ces opérations se fassent de la bonne façon. Il faudra un système spatial souverain, maîtrisé, qui permettra que les échanges soient non compromis, que la résilience soit totale contre une attaque dans l'espace, contre, contre ces infrastructures spatiales. Moi, il y a une chose qui m'empêche de dormir, enfin, il y a deux choses qui m'empêchent de dormir la cybersécurité, parce que je pense que la prochaine chose qui pourra nous arriver, c'est un père bord numérique, cest une attaque massive qu'on ne verra pas venir et qui mettra nos sociétés par terre. On fait tout ce qu'il faut pour que ça n'arrive pas. Mais le risque est là. Et la deuxième chose qui m'empêche de dormir, et là c'est avec ma casquette espace, c'est une destruction de satellite dans l'espace qui créerait sur l'arc orbital des milliers de débris et qui rendrait l'arc orbital invivable. Si l'arc orbital devient invivable, il n'y a plus de confiance. Et donc là le business s'arrête. Si on ne peut plus lancer un satellite parce que l'arc orbital est pollué, il n'y a plus d'espace. Et ça c'est un bien commun. Je pense, que, je pense que tout le monde peut comprendre ça. Il faut empêcher. Que ça se passe et donc la souveraineté c'est aussi protéger nos actifs et faire en sorte qu'on puisse résister à ce genre d'attaque on est fragile on reste fragile euh, on, la disruption elle peut venir de là avant de venir de, du quantique ou d'autre chose c'est beaucoup plus basique que ça donc le danger est là et la souveraineté c'est permettre de résister à ça et de planifier le futur donc la souveraineté c'est la résilience Elle est indéniable dès lors qu'on a une on a une industrie qui est qui est souveraine et qui et qui peut préparer l'avenir. Moi, les, les, les mots de Philippe sur le ce qui, qui, qui n'a pas été fait dans le numérique résonne effectivement assez fort. En moi, il y a, a d'autres exemples. Hein. Je pense que on peut parler par exemple des télécoms hein, qui n'ont pas fait l'objet d'une vraie stratégie industrielle et des grands. On était les champions du monde des télécoms hein, en Europe avec des groupes très puissants et très forts. Et aujourd'hui, force est de constater que c'est plutôt les Chinois qui ont, le, qui ont le leadership avec la société que je citais tout à l'heure, qui, qui est Huawei. Donc il est, il est impératif qu'il y ait une vraie stratégie industrielle qui soutienne, qui soutienne finalement cette, cette volonté de, de, de souveraineté. Et dans un certain nombre de cas, il va falloir le faire à l'échelle européenne parce que effectivement, le, chacun, chacun des pays n'aura pas nécessairement les moyens de cette, de cette souveraineté nationale. Euh je pourrais aussi rappeler que l'ordinateur individuel a été inventé en France. Et je ne crois pas qu'il y en ait quelconque qui soit produit ici. Euh, donc il y a vraiment... Un, un, donc la souveraineté, finalement, c'est euh, faire fructifier nos, nos acquis. Euh, J'ai quelques minutes. Donc euh, j'aurais voulu quand même essayer de remettre en perspective. On a beaucoup parlé constellation, on a beaucoup parlé accès à l'espace, on a beaucoup parlé de la manière dont nous étions en Europe fragilisée sur ces questions là et ça amène forcément à parler l'éléphant dans la, dans la pièce euh, SpaceX euh, donc euh, récemment dans, dans mon magazine je suis désolé je fais ma pub euh, nous avons fait une étude un peu sur leur, leur financement euh, et en fait essentiellement donc c'est un financement par de l'argent gouvernemental et par des levées massives de fonds euh, qui l'apparente en pratique un peu à une start-up et est-ce que ce modèle est applicable chez nous ou pas du tout ou est-ce qu'il est qu faut l'éviter plutôt de, euh, avec le modèle de la start-up il y a aussi une certaine fragilité euh, on parlait des, des lancements euh, du marché commercial mais si on enlève tous les lancements Starlink qui ne sont pas vraiment des lancements commerciaux euh, les lancements américains euh, palissent énormément devant les lancements chinois et euh, est-ce que vraiment on doit nous travailler sur ce modèle-là ou réfléchir à un modèle qui met ce modèle-là à part je, je pose la question, vraiment. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que que ce soit une start up enfin, ou c'est une start up qui a reçu 12 milliards d'euros de financement euh, du gouvernement, ça, ça, fait, ça fait une très grosse start up euh, et, qui, et, qui est, et qui est présente depuis, euh, je sais pas, 10 ans enfin, ou bon, donc, euh, enfin, 15 ans, 15 ans. Donc, euh, donc c est, c est, c est, je, je crois pas. Maintenant, ça, ça n'enlève en est rien le, les succès technologiques. Euh, sans doute une idée euh, qui est une idée de, de business avant tout, qui fait que cette idée d'intégrer en fait euh, les constellations avec des lancements pas chers, ça c'est sans doute l'idée de génie euh, d'Elon Musk euh, initialement, plus après des développements technologiques qui ont été euh, qui, ont, qui ont été euh, couronnés de succès bien sûr, et beaucoup 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 d'argent public. Donc euh, je pense que c'est quand même beaucoup c est, c est... beaucoup d'argent levé sur les marchés aussi. Et aussi de l'argent qui est levé sur les marchés. Non non mais je pense que les les, les deux sont absolument euh, cru, évidemment cruciaux. Euh, dans le monde des lanceurs de demain, je pense qu'on restera dans un marché qui va être quand même très largement subventionné par, la, par, par les États et par la commande publique. Mais pour autant, il faut y introduire une très large part de compétition, c'est à dire qu'il faut arriver sur un modèle qui est une forme de modèle hybride entre le modèle que nous connaissions avant, qui était un modèle 100% financé par les, pu les puissances publiques et le modèle peut être futur où les coûts auront beaucoup, beaucoup, beaucoup baissé, qui pourrait être complètement privé. On est dans un entre deux qui va durer encore un certain temps. Oui, enfin moi c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il faut pas dissocier les deux. Il, il pourra y avoir de, de l'argent privé parce qu'il y aura une forte demande et donc un fort euh, une, un, un fort financement public. Et donc la question de fond, c'est vraiment la question de l'ambition. Quelle est l'ambition qu'on veut avoir, public, privé, euh, en Europe au travers d'un certain nombre de, de sujets qui seront les amorces hein, et qui, derrière voilà, le, le tourisme spatial cité tout à l'heure, il ne peut exister que s'il si y a une, une forte demande publique déjà à l'origine. Après, oui, il va, se, il va se développer, mais on aura réussi à développer les technologies. Et là, on pourra avoir du financement privé qui va arriver parce que parce que tout ça, ça sera on a créé un cercle vertueux de croissance, d'entrepreneurship, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça reste encore une difficulté en Europe quand on regarde les financements, enfin, les, les, les financements privés par fonds d'investissement. C'est vrai qu'il y a un facteur d'échelle qui est même encore pire, je crois, qu'entre la différence de financement entre le, entre le public américain et le public, le public européen. Vous avez uh, SpaceX and Elon Musk. Europe people like Elon Musk come to Europe I mean of course he is now settled in the US and he he is very successful but uh, don't forget he originally comes from South Africa he lived in Canada and he was looking where can he develop his ideas uh, at the early times as you know it was PayPal uh, in which he invested where can he thrive and where can he develop ideas uh, innovate uh, go to the market and be successful and he found Silicon Valley to be the best place for him to to do that or now. Uh, outside uh, Los Angeles. So, what do we need to do to have people like him coming instead of uh, from South Africa, instead of going to the U.S., coming to Europe? And I think this is a fundamental um, uh, problem we have in Europe because we do not today offer this environment as attractive as it is in the U.S. Okay, one thing. One thing, of course, is the speed and the decisions, um, or how fast the decisions are made in Europe. And we all know this is very complicated, very slow. And there, I think this is a political process. And certainly on the ESA side, I'm committed to make things much faster because I realize if we continue as we do today, we are too slow, especially for new startups and new ideas to develop and be and, and, and to come to, to, uh, to success. A second point is access to money. Access to money, uh, venture capital, of course, is in Silicon Valley, concentrated. But in Europe, there is money, there's plenty of money. But what we have not managed so far yet is to channel this money towards the space sector and to f to f make this money find the entrepreneurs who are coming with new ideas. And both are there. We have brilliant ideas, lots of very talented people in Europe. Actually, so many that they leave Europe and go to somewhere else to Silicon Valley. Uh, the money is there, but it's not organised and channeled uh, yet uh, in, uh, towards the space community. Uh, and I think there are things that we need to work on. Time, that means decision. Uh, well, speed, uh, uh, taking risks, access to funding, and creating an environment where these new innovative ideas can develop. That's something where I see certainly a public entity like ESA to play a major role, but we can only f create the seeds, we can only create the environment. The real things have to happen in industry, and there are also the big industries uh, um, around uh, here on, on the table. I think they have also to play a very important role. To, to create and to make uh, these major projects happen and a reality, and I know that many of you have your your uh, whatever you call it, the, the venture capital oriented companies uh, in of Airbus, Dallas, uh, uh, also Ariane uh, um, works and so on. But this is why we need to invest much more of this kind and really stimulate this growth and these new ideas to materialize. Person. Uh... De rajouter quelque chose. Je pense que, comme le temps que nous avons parti est en train de s'achever, je pense que ce serait un très bon mot de la fin. Et je vous remercie tous pour tous ces points de vue très intéressants que je vais maintenant m'empresser de rédiger en compte rendu. Voilà, je vous remercie tous et le Paria Forum reprend cet après-midi. Merci. Merci beaucoup. Merci.